11 juillet, 13h02. Comme tous les jours, le convoi de marchandises est annoncé par la fermeture automatique du passage à niveau. Et comme tous les jours, Tom Hall, au volant de son tracteur, pense qu'il a largement le temps de traverser avant le passage du train. Trois wagons du convoi transportaient de l'isocyanate de méthyle. Ce liquide est utilisé dans la fabrication de certains pesticides. Les gaz dégagés par sa combustion sont un poison violent. La locomotive accidentée prend feu. La proximité d'un hameau habité, le stationnement d'une cuve de gaz sur une voie de délestage et la fuite des wagons chimiques sont autant d'éléments qui rendent la situation délicate. Au fond du tunnel, bloqué par les enchevêtrements de ferraille, deux techniciens s'extraient de la seconde locomotive du convoi. Les hommes de la 615 arrivent. Ils identifient immédiatement le danger principal, la pollution. Et ils doivent agir vite, car à chaque seconde, ce sont quelques mètres cubes supplémentaires de gaz mortel qui s'échappent vers les villages avoisinants. J'y vais. Tout de suite.
C'est parti. Tout de suite. L'incendie vient d'atteindre une nouvelle habitation. J'y vais. Tout de suite. Tout de suite. C'est parti. Tout de suite. C'est parti. L'incendie vient d'atteindre une nouvelle habitation. Tout de suite. C'est parti, c'est parti. J'y vais. Ok. J'y vais. J'y vais. J'y vais. Ok. J'y vais. C'est parti. Bien. Ok, j'y vais. Ok. C'est parti. C'est parti. Sécurité.